Bonjour à tous et bienvenue sur l'actu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les 12 coups de Noël qui a gagné le Prime spécial ce dimanche 24 décembre. Jeff Panaclock et Camille Lelouch étaient les capitaines d'équipe. Le ventriloque, accompagné de son fidèle Jean-Marc, dirigeait un trio mené par le presque imbattable Xavier, le deuxième plus grand maître de midi, Eric et Bruno Tuchzer, venu de Lille. Son adversaire pourrait se vanter de compter Bruno Hourcade, le plus grand maître de midi de l'histoire du jeu, Paul Elkara et Emilien, l'étudiant de 21 ans et actuel champion de la quotidienne des 12 coups de midi. Malgré les sourires et l'ambiance détendue, la compétition battait son plein. Au terme de la première épreuve, c'est l'équipe de Camille Lelouch qui avait le moins de points. Ses trois membres se sont affrontés et c'est Bruno qui s'est fait éliminer en premier. Pour la deuxième manche, Jeff Panaclock et son équipe qui ont encore inscrit le plus de points, Emilien et Paul Elkara ont dû se défier lors d'un duel. Le candidat toujours en diffusion tous les midis n'a pas réussi à renverser son illustre prédécesseur. Puis, comme le veut la tradition, les deux capitaines ont fini par s'affronter. À ce petit jeu, c'est Jeff Panaclock qui a réussi à s'illustrer. Seul face aux autres maîtres midi, Paul Elkara devait faire survivre son équipe. Pour son premier coup fatal, Paul s'est incliné face à Bruno, venu de Lille. Malgré sa défaite, le sociétaire des grosses têtes a continué le jeu et s'est incliné face à Eric et Xavier. L'équipe de Jeff Panaclock s'est donc offert une victoire sans conteste, dont ils ont survolé la soirée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour rester informé des dernières actus. À bientôt sur l'actu!